Hymne de l'Avent, page 28. Ô Verbe ami des hommes, donne-nous ton esprit, le don de ton royaume, la demeure du Père. Toi, notre chemin dans la foi, l'ardeur de notre espérance, à chaque étape soit notre victoire dans l'amour. Psaume 118, strophe 8. Fais-moi connaître tes chemins, guide-moi dans ta vérité. Fais-moi connaître tes chemins, guide-moi dans ta vérité. Ma part, je dis, Seigneur, c'est d'observer tes paroles. De tout cœur, je veux attendrir ta face. Pitié pour moi selon ta promesse. Je fais réflexion sur mes voies et je reviens à ton témoignage. Je m'environne. Je n'oublie pas ta loi. Je lève à limite en grâce. Ô très juste jugement, allié que je suis de tes fidèles, qui observent tes préceptes. De ton amour, Seigneur, la terre est pleine. Psaume 119. Cherchez le Seigneur, il se laisse trouver. Invoquez-le, car il est proche. Cherchez. Quand l'angoisse me prend, je crie, il me répond. Seigneur, sauve-moi des lèvres fausses, de la langue perfide. Par quoi va-t-il payer ton faux serment?
langue perfide. Vécu parmi les gens qui haïssent la paix. La paix, je la veux, mais quand je parle, pour eux, c'est la guerre. Pour paix, en puissance à Psaume 120. Je lève les yeux vers les monts, d'où viendra mon secours? Le secours me vient du Seigneur qui a fait terre et ciel. Il ne laisse brancher ton pied, il ne tombe ton gardien. Le Seigneur est ton gardien, ton ombrage, le Seigneur à ta droite. De jour le soleil ne te frappe, ni la lune en la nuit. Le Seigneur te garde de tout mal, il garde ton âme. Il te garde au départ, au retour, dès l'entrée à jamais. Cantique de Tobie, page 257. Bénissez le Seigneur, vous tous ses élus, faites-le, rendez-lui grâce. Jérusalem, ville sainte, le Seigneur t'a châtié pour les œuvres de tes mains. Rends grâce au Seigneur comme il convient. D'une lumière éblouissante jusqu'aux limites de la terre. De loin viendront vers toi les nations, leurs offrandes dans les mains, adorer le Seigneur en tes murs. Dans ton sol, ils verront ta sanctuaire, chez toi, ils pourront invoquer le nom souverain. Ceux qui t'aiment, ceux qui se réjouissent de ta paix. Mon âme bénit le Seigneur, il a sauvé Jérusalem de toutes ses angoisses, lui le Seigneur notre Dieu. Rendons gloire au Père puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur.
de frère Pierre-Marie Delfieux, Le temps de grâce de l'Avent. Il nous faut avancer avec la sérénité d'une grande espérance. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et nous allons encore une fois vers le jour de la Nativité, tout empreint de douceur, d'humilité, de tendresse. Isaïe a bien raison de nous annoncer la paix, cette paix intérieure et extérieure dont nous devons rester les artisans fidèles. Le Concile de Vatican II ne se trompe pas en disant « Le renouvellement du monde est irrévocablement acquis et en réalité anticipé dès maintenant. » Mais il nous faut aussi garder le cap avec une grande vigilance, car nous continuons et nous continuerons encore à cheminer, d'autre part, dans un monde qui est sans cesse à guérir, à apaiser, à purifier, et qui, comme dit l'Écriture, gît tout entier au pouvoir du mauvais. Saint Jean-Baptiste n'a donc pas tort de nous appeler, avec la vigueur que l'on sait, à nous convertir, car ce monde racheté est encore à sauver, et cet homme relevé est encore à sanctifier. La vie est un pont, dit Sainte Catherine de Sienne, traverse-le, mais n'y fixe pas ta demeure. Console-toi, console-toi, mon peuple. Je suis ton sauveur et ton roi. Console-toi, console-toi, mon peuple. Je suis ton sauveur. Qui porte la bonne nouvelle à Jérusalem. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Console-toi, console-toi, mon peuple. Je suis ton sauveur et ton roi. Lecture du livre d'Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et proclamez
que son service est accompli, que son crime est pardonné et qu'elle a reçu de la main du Seigneur double punition pour toutes ses fautes. Une voix proclame : Préparez à travers le désert le chemin du Seigneur, tracez dans les terres arides une route aplanie pour notre Dieu. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits et les escarpements seront changés en plaine. Alors la gloire de Dieu se révélera et tous en même temps verront que la bouche du Seigneur a parlé. Une voix dit, proclame. Et je dis, que dois-je proclamer ? Toute créature est comme l'herbe, toute sa grâce est comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche et la fleur se fane quand passe le souffle du Seigneur. En effet, le peuple est comme l'herbe. L'herbe se dessèche et la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure pour toujours. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance et son bras est victorieux. Le fruit de sa victoire l'accompagne et ses trophées le précèdent. Comme un berger, il conduit son troupeau, son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur et il prend soin des brebis qui allaitent leurs petits. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Dans la tristesse, la maladie, le deuil, la persécution, la souffrance due au péché, l'homme a besoin de réconfort. Il cherche un consolateur. Ses parents, ses amis, émus de compassion, viennent lui rendre visite. L'écouter pour partager sa douleur et l'adoucir. Par leurs paroles, par leurs gestes, leur silence plein d'amour, ils s'efforcent de consoler. Parfois, ces bonnes paroles pèsent plus qu'elles ne réconfortent, nous connaissons le livre de Job. Elles ne peuvent faire revenir celui qui est parti et qu'on pleure. L'homme reste seul dans sa douleur et le Seigneur semble même parfois s'éloigner de lui. En réalité, Dieu ne nous abandonne jamais. Il est le seul vrai consolateur. Dans ce passage d'Isaïe, « Consolez, consolez mon peuple », le Seigneur répond à la plainte de Jérusalem. Après le châtiment de l'exil, Dieu intervient pour accomplir ses promesses faites par les prophètes. Il exprime sa tendresse, sa sollicitude de berger. Il conduit son troupeau, son bras rassemble les agneaux. Il les porte sur son cœur et prend soin des brebis qui allaitent leurs petits. Non, Dieu n'abandonne pas son peuple. Il lui donne l'Écriture, cette parole qui demeure pour toujours. Il comble les creux de nos dépressions. Il rabote les collines et les montagnes de notre orgueil. Il adoucit les escarpements de nos épreuves. Il donne sens aux passages tortueux de nos vies. Et à la plénitude des temps, Jésus vient en personne s'enfoncer au creux de nos souffrances
pour les illuminer, pour les fortifier de sa vie divine. Il apporte aux affligés, aux pauvres, le message de consolation, l'évangile du bonheur des béatitudes. Il passe partout en faisant le bien. Il guérit les malades, libère les pécheurs. Il offre le repos à ceux qui ploient sous le fardeau. Et à son départ vers le Père, Jésus ne délaisse pas les siens. Bien au contraire, il nous envoie son esprit, qu'il nous est bon d'appeler tout au long de notre pèlerinage en cette vallée parfois de larmes. Viens, Esprit Saint, bienveillant consolateur, doux hôte de l'âme, fraîcheur qui apaise, repos dans la peine, paix dans les passions, consolation dans les larmes. Consoler, consoler mon peuple, c'est un impératif. Oui, Dieu nous envoie en mission pour être le consolateur de nos proches. Ouvrons les yeux de notre cœur, que Dieu nous donne l'intelligence du cœur pour discerner un peu à chaque instant quelle parole, quel sourire, quel geste, quelle prière, quel silence peut réconforter, consoler ma sœur, mon frère qui souffre à mes côtés. N'ayons pas peur de la bonté, comme nous y invite notre pape François. C'est elle, la bonté, sous toutes ses formes, qui transformera nos familles, nos paroisses, nos lieux de travail, nos communautés, en antichambre du paradis. Enfant, viens Seigneur Jésus.
Fils, tu nous combles de l'Esprit consolateur. Sois béni. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la promis Dieu Tout-Puissant d'envoyer un Sauveur à tous les peuples de la terre. Donne-nous la grâce d'attendre dans la joie le jour glorieux de sa naissance, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi.
Sainte Mère.